Solange Mbangala. Solange Mbangala. Les gens vont critiquer Cabrel. Toi aussi, tu viens avec ton gros corps. Tu viens avec ton gros corps. Tu viens critiquer. J'ai mis Bazira en pause. Je tombe vite sur toi pour... Quelle ingratitude. Ma copine, tu es sorcière. Tu m'as invité dans ton émission le pornographe. J'ai refusé. J'ai refusé. Les gens vont parler des gens qui réussissent dans la vie. Toi, Solange Mbangala, tu m'as aussi répondre. Tu as fui le Cameroun. Il faut nous dire. Tu as fui le Cameroun. Tu pensais que tu n'allais jamais descendre. Donne-moi le nom d'un journaliste qui n'était pas Nias ici dehors. Il dit Solange Mbangala. Donne-moi un journaliste qui n'était pas Nias ici dehors. Non, compris. Un journaliste qui n'était pas Nias. Tu oublies le nom qu'on te donne dans le circuit. Je sors ton nom. Tu oublies le nom qu'on te donne dans le circuit. Tu n'as même pas honte. C'est en fait que tu remercies Cabrel. Il a fait pour essayer de t'épauler un peu. Le problème, c'est que, maman, dans le milieu du journalisme, tout le monde sait que c'est la promotion canapé qui t'a bring là-bas. Tout le monde sait que Mbangala, c'est la promotion canapé qui t'a bring là-bas. Qui ne sait pas ça? On parle même de quoi? On demande de valoriser le travail. Toi, tu valorises le canapé. Aujourd'hui, tu sors. Oh, Cabrel m'a proposé d'entrer dans les loges. Toi, tu peux entrer dans une loge. Maman, pour entrer dans une loge, il faut le minimum d'abord, le minimum. Toi, tu as dit que oh, tu travailles ce que Dieu a donné. Maman, on t'a donné quoi? Dis-moi un peu. Quand tu regardes tes émissions, Solange Mbang, quand tu regardes tes émissions, tu as l'impression que tu es journaliste. Hein? Solange, occasion pressée. C'est dans l'occasion pressée là que tu as même peu de visibilité. Tu n'avais pas le talent. Tu as été incapable d'innover. Tu as été incapable de créer. Aujourd'hui, Cabrel n'est plus là. Tu commences à casser du sucre. Tu oublies qui t'a aidé. Solange promotion canapé. Tu oublies que Cabrel t'a aidé. Aujourd'hui, n'importe quel bordel sort de n'importe où pour venir dire que, oh, Cabrel, toi, on peut te proposer la secteur. Avec ton totel, il a ridé, froissé, concassé. Moi, j'ai refusé de froisser ton totel. Tu oublies ça. Je te rappelle que tes messages où tu me suppliais que, oh, Amel, viens un peu dans mon émission. Ouais, Amel, viens dans mon émission. J'ai refusé. Il dit, j'ai refusé de venir dans tes émissions. Moi, j'ai dit, quand il y a les journalistes aussi, hein. Solange, Solange promotion canapé, Solange Mbangal. Tu n'as pas fui le pays. Tu n'as pas fui le pays. Eli, tu n'as pas fui le pays. Gérer une page Facebook t'a dépassé. Gérer ton compte Insta, ça t'a dépassé. Tu profites de la mort. Un king, déterreuse de cadavres. Regarde-moi ça, n'est pas que tu es quoi en Bengnon. Tu es au Canada, ton travail au Canada, c'est quoi? C'est de chop les moulottes des vieux blancs. Maman, le tout, c'est comment t'as concassé devant derrière au pays, sans que là-bas, alors, hein? Là-bas, alors, c'est grave. Mathieu, je vais te dire une chose. En tant que journaliste, d'abord, tu les laid. Le corps, tu n'as pas. Le ciel, tu n'as pas. On va croire, il y a quoi dans toi que quelqu'un va s'élever? Toi, Solange Mbangala, il y a quoi dans toi que quelqu'un va s'élever aussi pour venir dire que, oh, voilà une fille qu'on peut présenter à la télé? Ma chérie, toi, ta catégorie de journaliste que tu voulais faire, c'était vers les 1730. Ta part là, c'était vers les 1500. Tu as les nouvelles journalistes aujourd'hui. Maman, tu as les nouvelles journalistes. Elles maîtrisent au moins 5 langues. Informer, hoa. Ta part d'information, c'est dans le Congo, ça. On vous avait dit que vous, les journalistes Mbrakata, vous, les journalistes du piment, là, quand Internet va arriver, vous allez vous banque de tous, tous. Parce que les nous, comme ça, on arrive dans le game. On n'a pas l'école de journalistes, on n'a rien. Mais le monde qui nous suit derrière. Parce qu'on est cash, véridique, vrai. Solange Mbangala, on insulte Cabrel. Toi, Solange Mbangala, tu viens aussi. Solange Canapé, tu viens aussi dire que tu insultes Cabrel. Maman, dis-moi quelque chose que tu as fait, puis on a confirmé. Une seule chose. Tu m'as supplié ici. Tu m'as supplié. Ouais, Amen, Amen. Ouais, pardon, viens là dans mon émission. De la même façon que tu suppliais Cabrel, aujourd'hui tu viens parler. Tu parles quoi? Hein, Solange Mbangala? Tu parles quoi?
Quand on dit même qu'on est journaliste, le français, tu as du mal à parler français. L'anglais, alors, c'est la catastrophe. Je ne sais pas. Le chinois, alors, tu ne sais pas. Aujourd'hui, une vraie journaliste parle minimum 5 langues. Tu n'as pas de bordelerie que tu as allé. Tu as fait de ravitailler tous les journalistes camerounais, tous les promoteurs. Toi, Solange, promotion canapé. Quand tu as dit que non, tu parles chez Solange Mbangala, tu penses que pourquoi je ne suis pas venu dans ton émission quand tu m'as invité? Toi, Solange Mbangala, tu penses que je ne suis pas venu dans ton émission, pourquoi? Je me suis d'abord renseigné sur toi. Renseigné sur toi. Je vais publier nos conversations. Comment tu me disais que je suis mignon? Comment tu me disais que oui? Comment tu voulais m'appâter pour m'amener là-bas? Ma chérie, on compte l'argent qu'on t'a prêté. Pourquoi tu ne dis pas l'argent que Cabrel t'a prêté? Ça, je ne parle pas de ça. Fais, ne t'amuse même pas. Ah oui? Pourquoi tu ne parles pas de ça? On s'en sort aujourd'hui. Hein, n'importe quel bordel, n'importe quel lettre, quel poltron s'élève maintenant pour dire que, oh, Cabrel, c'est ici. Toi, Solange Mbangala, Solange Promotion Canapé, fais attention, hein. Continue à chomper les morotos des vieux blancs là-bas. Continue d'abord, toi-même, le corps, tu n'as pas, tu es froissé, fini, concassé. On t'a témé le genre de... Maman, fais attention, peut-être vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas. Parce qu'à moi, tout seul, il dit, je vous envoie le message. Vous allez apprendre à respecter la dépouille de Cabrel. Tous ceux qui sont des hommes politiques, tous ceux qui ont une image, un commentaire déplacé envers Cabrel. Maman, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez Amère Kamer, renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Vous allez vous en rendre compte que même après la mort de Cabrel, c'est défenseur sur terre. Ne vous amusez même pas. Solange Mbangala, tu as compris? Il va te toucher. Et il va te dire, Solange Mbangala, tu t'amuses. Je déteste tous les membres de ta famille. Tu as compris? Vous allez apprendre que non. Il y a des sorciers ici dehors. Il dit que je déteste tous les membres de ta famille. Essaye encore de faire un poste où tu insultes Cabrel. Je fiche toute ta famille dehors. Tu me nommes pas. Tu me nommes mal. Tu me nommes mal. Ma chérie, fais très attention. Ça, c'est un message que je t'envoie. Il dit Solange Mbangala, Solange Promotion Canapé. C'est un message que je t'envoie. Tu go confirmer. Maintenant, à la guerre comme à la guerre. Vous sortez, je sors. Vous avez compris? Boutman. Vieille bordel.